C'est une zone qui est marquée par les guerres, donc des conflits sanglants, et par des régimes qui sont autoritaires. Donc les médias sont, et les journalistes sont souvent sous pression. Une des nouveautés du classement 2017 pour le Moyen-Orient est l'entrée de l'Égypte dans la partie noire du classement. Un des cas qui nous tient particulièrement à cœur et qui reflète bien la situation ambiante pour les journalistes dans ce pays est la situation de Mahmoud Abou Zeid, connu sous le pseudonyme de Chokan. Ce photojournaliste de 29 ans risque aujourd'hui la peine de mort pour avoir simplement voulu couvrir des manifestations.